تغالد تمثلت تهدم السن ذك دورار نغ ليكونومي دي مونطاني روس قرضش دق وخام بوغيرا وغرفان ان الولايه تيزي وزو نغ لابيوين اسروين لابيوين مس حسين هارون الولي الجديد ان الولايه تيزي وزو مس ابراهيم مراد اكو ذو موسناو اعلي نغ ليكسبير تجمعت تموران الدوني في دوكلن لوينو مس محمد مقران الشريفين وذا الزايرين ويتسيكي غير يمغبرنا علي وخبر لو اف اف اس بوين كل يوم اول غفت مسال تاكيني تذمسا ذك دورار اسني دنسل ست فصيل امزوارو يوم راه دنسل دماس حسين هارون اسلواي بوغرا وغرفان ونقرزون الولايه انت زي وزو اسي دنسل des conclusions et proposer des recommandations issues du colloque sur l'économie de montagne et le développement local durable tenu durant deux jours, les 2 et 3 mars de cette année, où nos honorables invités ont conféré et débattu sur ce thème d'actualité dans ses avantages et ses difficultés à se concevoir et à s'instaurer de manière efficiente et pérenne. Honorables invités, la PIWI a décidé d'inscrire cette journée en conclusion et en complément aux séances consacrées au colloque comme suite logique et utile, eu égard à l'actualité que nous vivons dans son acuité, hélas douloureuse, au moment aussi où d'autres voies de création de richesses sont recherchées et sont plus que jamais vitales. Lorsque nous avions inscrit ce colloque dans notre agenda après celui organisé juste avant à l'Université Maud Marie sur le même thème, nous vivions alors avec le prix du baril du Brent à 100 dollars. Il y a juste quelques mois, nous étions paisibles dans nos lauriers. Nous sommes revenus alors sur l'importance que nous accordions à ce concept que nous avions qualifié de nouveau, autant qu'ancestral, nouveau pour nous, ou plutôt à la mode, parce qu'il revient en récurrence dans le jargon littéraire lié au développement, après l'usage effréné, pour ne pas dire galvaudé de ce terme, développement mélangé à la mondialisation et à la surenchère, tous azimuts, et à l'anarchie économique. Nous disons en l'occurrence, en l'occasion, que le partage, le petit gain, l'ajout du peu au peu, devient dès lors un moyen de vie, ou mieux, une bonne recette de savoir-vivre. Ancestral parce qu'il nous ramène au terroir, aux traditions oubliées, au plaisir de se contenter de peu et bon y vivre. Nous avions déjà initié d'autres rencontres, séminaires et journées d'études depuis 2 ans dans cette auguste enceinte. Non seulement que les interlocuteurs fussent d'éléments connaisseurs, ou parce que le sujet traite d'un thème en vogue et prisé par les élus locaux, puisqu'il évoque l'abolition, la gestion locale, mais la PIWI se trouvait dans son élément en tant que capitaliste social, assemblée d'élus, sincèrement ancrée dans l'associatif, aisée de s'investir dans cette action citoyenne et savante qui émane autant du petit peuple que de l'élite universitaire. À propos de l'université, nous affirmions alors que si le développement durable est pensé, conçu par et à l'université, d'autres acteurs aussi indispensables que ces concepteurs se doivent de le pétrir, le façonner, lui donner un corps et une âme, le faire vivre, en fait. Là, je faisais allusion aux comités de village et de quartier, aux associations, aux élus locaux et à l'administration. En effet, c'est la combinaison des actions émanant des collectivités locales, de la société civile, des entrepreneurs, des artistes, des artisans, des universitaires, avec sans le négliger les institutions administratives de l'État, ce sont en effet tous ces acteurs en synergie qui génèrent cette dynamique économique accompagnée de son corollaire social et culturel. Nous avons eu l'occasion de dire que notre région dispose de ressources naturelles humaines et recèle une disposition à l'action intrinsèque en ses enfants. L'organisation autour du petit produit de montagne, l'huile d'olive, la figue, l'élevage, la collecte du lait, les petits métiers de l'artisanat jusqu'aux petits carrés de verger, le tourisme de montagne peuvent constituer un vivier de ressources pour les populations villageoises, bien au-delà de l'autosuffisance.
riche de son histoire, son fond culturel, son monde social solidaire et son patrimoine matériel et immatériel, le territoire de Kabylie est orchestré dans l'ordre, le respect, la convivialité et l'entraide. La problématique réside donc dans le comment valoriser et capitaliser ce gisement de ressources afin de créer des activités économiques durables et faire bénéficier les citoyens de la région des dividendes qui en résultent et de la stabilité sociale. La gestion centralisée a montré ses limites. L'État planifie sa politique de développement centralisé de manière verticale, en dotant les territoires d'infrastructures de développement économique et social suivant un système de quotas par budget centralisé, sectoriel et plan communaux de développement. Au frémissement d'une crise, nous le vivons à l'instant, tout se fiche. Nous parlons de gel, d'annulation de projets, autant structurants que vitaux, s'ensuit le désarroi, l'austérité, la déprime et en résultat final, le désordre. Le financement sectoriel des infrastructures de services sociales et culturelles, les dispositifs d'aide à la création d'emplois ou ceux d'aide à l'agriculture peinent à enclencher une mise en route d'un programme de développement durable, harmonieux et équilibré à même de satisfaire la demande basique du citoyen. Le développement local et la valorisation des ressources à travers l'engagement des acteurs territoriaux. Dans des pays développés où on voit de l'être, le procédé constitue un mode de vie pour les gouvernants autant que pour les gouvernés. L'initiative des élus, dans la concrétisation de ce concept, quoique modeste, trouve sa raison dans l'action de l'Assemblée populaire de Wilaya en finançant à titre d'exemple chaque année une vingtaine de festivals et fêtes, telles la fête du bijou, de la poterie, du tapis, de l'huile d'olive, de la robe kabyle, etc., ainsi que d'autres rencontres locales qui animent la vie villageoise. C'est en soi une attention non négligeable accordée au renforcement du lien social et au vivre ensemble qui amorce in fine une dynamique économique de valorisation susceptible de créer en aval des activités génératrices de revenus et d'emplois. En ce sens, elle adopte une politique d'allocation budgétaire permettant le financement des projets émanant des communes et de la société civile visant l'amélioration du quotidien du citoyen, la protection de l'environnement et la réhabilitation du patrimoine culturel et social. Aussi, notre demande, notre démarche s'inscrit pleinement dans les nouvelles politiques de diversification de l'économie hors hydrocarbures qui s'imposent au pays au regard de l'instabilité de l'économie mondiale qui annonce des signaux alarmants avec la dégringolade actuelle des cours du pétrole. D'aucuns ne présageaient cette chute abrupte et vertigineuse des prix du pétrole et l'imminence brutale de la crise. C'est pourquoi nous comptons sur vous. Vous tous, acteurs sociaux, économistes, élus, comités de village, associations, collectivités locales, pouvoirs publics, pour vous impliquer de par vos réflexions, vos recommandations et observations que vous remettez aujourd'hui à l'occasion de cette rencontre. À l'effet d'éclairer ensemble la question. ويسين إمارات سلتوران دماس إبراهيم مراد الوالي الجديد من الولاية تيزي وزو. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدي رئيس المجلس الشعبي الولائي معالي الوزير السادة المنتخبين المستوى البرلمان المجلس المحلي المجلس الشعبي الولائي المجلس البلدية الإفراد الأولى بين الولاية ممثلي المجتمع المدني الأسرة الجامعية الحضور الكريم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نيون با اسيستي سو كولوك نو كونيسون با سكي بيان لا ويا اون با جو بريفيري دونك نو با كوم إلا سولي تولور فار اون كوميونيكاسيون اون انترفونسيون اون ما بريبار كيلك شوز مي جو بريفيري نو با لير فو دابور كو جو كونيس ان بيتو سو كي لا سيتواسيون سكو جو دوا سوليني دابور c'est l'intérêt porté par l'APUI à ces questions, notamment d'ordre local. Je crois qu'elle est à plus d'un séminaire, plus d'un colloque. C'est très important. Une APUI qui s'intéresse à la vie locale, qui s'intéresse un petit peu aux potentialités locales, c'est important et c'est le énième colloque, il y en aura d'autres. Donc, je ne peux qu'apprécier, comme M. le
président m'a appelé hier pour me dire, bon, toujours la même invitation, je l'ai reçu hier, il a insisté, je n'arrive même pas à venir, ne connaissant pas de quoi il s'agit, il a tellement insisté, ben c'est tant mieux dans la mesure où, je suis en face et je suis heureux d'y être, donc de cette assistance, cette honorable assistance, surtout d'être à côté de l'honorable, notre ministre du Commerce à l'époque, de l'expert de l'ONU, que j'ai eu donc à écouter lors de ces différentes interventions ici et là, au niveau d'Alger, lors des séminaires de l'Europe, notamment sur l'environnement et bien d'autres thèmes encore. Bon, sur la question, je crois qu'elle vient à point, dans la mesure où nous vivons ce qu'on peut bien appeler une crise, entre guillemets, elle n'en est pas tellement une si l'on sait donc comment y faire face. Nous sommes devant des défis. Le prix donc du baril de pétrole qui baisse, le dinar qui ne fait que baisser également. Ben, je pense que l'Algérie est si riche, elle a d'énormes potentialités, il faut savoir donc l'utiliser, il faut savoir faire face à tout cela. Plutôt que de parler donc de crise, de parler de projets gelés, il y a à dire qu'il y a maintenant une bonne prise de conscience de la part des gouvernants, de la part de nos autorités, de la part un peu de la société. Il y a à valoriser ce qu'on a, il y a à rationaliser nos dépenses. Nous avons, il faut le dire, vécu au-dessus de nos moyens. Jamais nous n'avons pensé vivre de nouveau ce qu'on a vécu pendant les années 80, la fin des années 80, pendant les années 90. Ben, nous y sommes, il faut maintenant savoir éviter les crises que nous avons vécues auparavant. La ville de Tizi Ouzou, effectivement, de par sa particularité, elle est simulée à 80% constituée de montagnes. C'est bien que de programmer donc, un tel sujet, il y a beaucoup à faire à ce niveau-là. D'autant plus qu'il y a une loi, je pense, qui régit un peu l'économie de montagne. Je ne peux pas dire ce que vous a dit M. le Président d'APOUI. Ensemble, nous allons essayer de voir disons, dans quelle mesure nous pourrions éventuellement utiliser ce qu'il y a à un niveau et à un autre. Nous allons ensemble également essayer de rationaliser un petit peu nos dépenses, bien entendu, mais essayer de trouver des ressources autres que celles qu'a l'habitude de nous donner sous forme de subsides, pour le dire, l'État, parce que les besoins sont énormes et quelles que soient les subventions, elles restent toujours en deçà de ce dont a besoin le citoyen au niveau de toutes les villes, au niveau de Tizi Ouzou notamment. Je pense que nous avons accusé un peu du retard en raison de certaines situations. Ensemble, nous essaierons de relever le défi, d'être à la hauteur de la tâche qui nous est impartie et de faire ensemble, en synergie, ce que le citoyen attend de nous. Donc je préférerais me limiter à cela. Je vous remercie de m'avoir prêté attention et je vous remercie de m'avoir invité justement à ce colloque. On pourra rester à la limite à la restitution des conclusions qu'ont formulé les ateliers. Je vous remercie. تورا غادي نسل ايوا مسنو علي ليكسبير يتبع لوينو تجمع تمورا يدوكلن وكين مس محمد مقران الشريفي ايدي بوينا وال يطول شويه غاف تمثل تاكي معنا يسعى ازال مقرن ذي العالي السيد سلم Monsieur le Président de l'Assemblée Populaire de Wilaya, Monsieur le Wali, Messieurs les sénateurs, messieurs les députés, messieurs les élus, messieurs les cadres de la Wilaya, chers invités. C'est avec beaucoup d'émotion que je me trouve parmi vous aujourd'hui. Je suis natif de la région et j'ai toujours voulu et toujours aimé faire quelque chose pour vous spécialement parce que je suis d'ici, en me disant qu'est-ce que je peux apporter par mon expérience nationale et internationale à la population et à l'économie de la région. Comment partager l'expérience vécue jusqu'à présent. Et quand on m'a invité, on m'a fait de l'honneur d'être avec vous aujourd'hui, et je me suis dit, mais par quoi commencer? Il y a tellement de choses à dire, tellement de choses à partager avec vous que
le temps ne suffirait pas. Il aurait fallu vivre ici avec vous au quotidien, essayer de partager avec vous des difficultés, essayer de les régler ensemble. Mais je vais essayer, je ne vais pas vous retenir longtemps, je vais essayer de vous dire ce que je ressens sur ce thème de développement local et surtout de l'économie de montagne. En tant qu'expert auprès des Nations Unies en matière de développement, j'ai parcouru, je dirais, la planète. J'ai fait tous les pays, quasiment tous les pays en une vingtaine d'années, d'Amérique latine, d'Asie, d'Afrique, bien entendu, et j'ai parcouru des économies de montagne. Bolivie, la chaîne andine, en Asie, j'ai parcouru beaucoup de territoires qui comportaient beaucoup de forêts, beaucoup de montagnes, avec des populations qui faisaient face à beaucoup d'épreuves et beaucoup de difficultés. Pourquoi? Parce qu'on était chargé, j'étais pas seul, on était chargé d'évaluer des potentialités et de préconiser aux autorités de la région des programmes d'action. Alors, ce que je vais faire devant vous maintenant, c'est un peu ce que je fais quand je viens en mission dans d'autres pays. L'avantage que j'ai, c'est que je connais un peu l'économie nationale pour avoir travaillé longtemps dans cette économie. Monsieur le Wali, j'ai 40 années de décret ici en Algérie. C'est-à-dire, j'ai commencé, nous étions une première équipe en 1963, c'était là à l'époque, on était 7 exactement, avec Ozali, Yassine, moi-même. On était constitué en collectif, on était de 9 personnes chargées, juste après l'indépendance, d'élaborer un plan de développement pour notre pays, surtout un plan de remise au travail d'un pays dévasté, d'une population démunie, déplacée, comment faire, par quoi faire, comment commencer. Donc j'ai parcouru, j'ai connu tous les présidents qui m'ont chaque fois renouvelé le décret. Ah, je suis un commis d'État, j'ai toujours servi mon pays et je vais vous parler comme un nationaliste et mon sang-pays. Donc je dirais quelquefois des vérités, pas pour critiquer, non, pas du tout, parce que j'aime mon pays et je voudrais que les choses s'améliorent. Donc depuis 1963, j'ai été directeur général, secrétaire général du ministère, ministre conseiller du Premier ministre, et je suis parti avec l'accord de mon gouvernement aux Nations Unies où je dirige les programmes. Ça fait 20 ans, j'étais directeur de programme à la CNUSEP pour l'Afrique, j'étais directeur de programme au programme des Nations Unies pour le développement, et également pour toutes les collectivités locales, j'étais le point focal des collectivités locales au sein des Nations Unies. Et depuis 5 ans, je suis le numéro 2 de l'Agence des Nations Unies pour la formation et la recherche, c'est-à-dire le point focal pour toute la formation et la recherche dans le monde. D'ailleurs, je suis venu dans le cadre des Nations Unies pour un partenariat entre notre gouvernement et les Nations Unies. Pour votre information, nous avons un accord de partenariat à mon initiative avec notre gouvernement et les différents ministères. Le ministère des Affaires étrangères pour la formation des diplomates, le ministère du Travail qui contrôle l'ANSEJ, l'ANDI, l'ATAS, etc. pour la formation et l'accompagnement des jeunes à l'entrepreneuriat. Nous avons un accord avec la signature d'une ordonnance du président de la République pour la création d'un centre de formation des collectivités locales, pas seulement d'Algérie, mais des pays du Maghreb. On l'appelle le CIFAD, CIFAD Maghreb. Les premières formations vont démarrer incessamment à l'ENA. Et ensuite, on va construire un centre de formation justement pour tous les fonctionnaires des pays du Maghreb ici à Alger. Nous avons un accord aussi de formation des cadres de la défense nationale pour les satellites, pour essayer de comprendre, de traduire des enregistrements satellitaires pour la défense de notre territoire. Donc on a une interface colossale entre les Nations Unies et notre pays, et on essaie de renforcer cette coopération. Juste pour vous dire que toute l'action, mon action à l'extérieur, n'est que la continuation de l'action de construction de l'État dans notre pays. Et ce que je vais essayer de partager avec vous très brièvement, c'est ce que pendant 14 ans au sein du CNUD, pour le développement local, ce que j'ai constaté, ce qui a réussi dans certains pays et ce qui a échoué dans d'autres. Et ce qu'on pourrait faire chez nous pour réussir davantage avec moins de moyens. Parce que comme vous le savez, effectivement, nos ressources diminuent et il faut faire mieux avec moins.
Alors, par quoi commencer? Si j'étais venu ici en tant que Américain ou Chinois, en tant qu'expert des Chinois, et je viens ici en Algérie, ici à Tizi Ouzou, parce qu'on a un format, une procédure, comment on aurait procédé pour évaluer la situation? On va commencer d'abord par voir le passif. Cette région a un passif. Elle n'est pas née d'hier, cette région. Elle est née, elle a une histoire, la capitale, la région de Tizi Ouzou. Alors, quel est le passif ici? Monsieur Louali, je vais vous aider un peu à comprendre un peu cette région. D'abord, c'est une région, je dirais, qui est privée de ses ressources humaines. Pourquoi? C'est une région, depuis les années 50, a connu une forte immigration, ce qu'on appelle l'immigration alimentaire. Les gens n'arrivaient pas à s'en sortir. Avant la guerre de libération nationale, ça a commencé déjà dans les années 1920-1930. D'ailleurs, les premiers militants d'étoiles nord-africaines venaient de cette région, en France. Donc l'immigration a vidé les hommes valides des différents villages de Kabylie. Ils sont allés pour gagner de l'argent et envoyer l'argent à leurs familles ici en Kabylie qui ont réussi grâce à cet argent à se maintenir, à maintenir leur maison, à maintenir l'activité des villages. C'était une question de survie. Mais les hommes valides ont plus ou moins quitté la région. Ajoutez à cela ce qu'a connu la région à cause de la guerre coloniale. C'est une région qui a souffert énormément de bombardements. Les forêts avaient brûlé, les populations étaient déplacées dans les plaines. Et les hommes valides, une grande partie d'entre eux, ont perdu leur vie. Et ça a été une catastrophe. Là aussi, il y a eu une désertification de la montagne et les populations qui constituaient le nerf de cette région avaient plus ou moins quitté la région. J'ajoute à cela, ce qui est encore terrible, si ensuite il y a eu cette malheureuse guerre qu'on nous a faite, il ne faut pas le perdre de vue, ces 10 années de violence terroriste dans la région qui ont fait que des populations, pour préserver leur famille, ont quitté la montagne pour aller dans les villes, pour se protéger leurs enfants. Même si le Wadi, je vais vous dire quelque chose de terrible. Un autre facteur qui a été terrible pour cette région, c'était la politique économique qu'on avait, on était tous responsables, qu'on avait cru bien faire. C'est-à-dire que on a dit, puisque la montagne a un relief particulier et qu'on ne pouvait pas créer de grandes activités créatrices d'emplois, qu'est-ce qu'on peut faire pour cette région? Et je me rappelle des réunions qu'on avait faites avant le plan triennal, avant le premier plan quadriennal, avant le deuxième plan quadriennal, on a réfléchi. On a dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour cette population qui a souffert de la guerre, qui a perdu beaucoup de ses enfants? On a dit, ben voilà, puisqu'on ne peut pas amener l'emploi vers la montagne, on va amener des personnes vers la vallée. Et on a mis en place des complexes. On a mis Béla-Berhada, on a mis en place la Soneleka du côté de Dazazga. On a dit, on va construire des complexes dans la vallée, on va mettre un système de transport, on va déplacer les populations des montagnes vers la vallée. Mais le drame, c'est qu'en déplaçant les populations vers les vallées, en même temps, on a urbanisé les gens. Les gens ne voulaient pas aller monter sur la montagne et descendre tous les jours. Ils ont donc loué des maisons, construit des maisons, acheté des lots de terrain, se sont installés d'ici au sous. Et tout par toutes ces populations déplacées qui cherchaient un emploi dans la vallée. Et donc, encore un élément de désertification. Mais je vais vous raconter une petite histoire. J'étais en campagne électorale en 92 ici dans la région. J'étais allé dans un village sur la montagne pour faire la campagne. Et j'étais fier. À l'époque, j'étais fonctionnaire. Et je disais, on vous a amené, on vous a construit un grand complexe là-bas à Tizi Ouzou. On vous en a construit là-bas à Azazga. De quoi vous plaignez-vous? Et on est prêt à construire encore pour vous si vous votez pour nous. Et ils m'ont laissé parler, j'étais jeune, je ne comprenais pas très bien. Ils m'ont laissé parler. À la fin, un vieux, une personne d'un certain âge, dans un village, il m'a dit, comment vous êtes arrivé jusqu'à notre village? Et il m'a dit, est-ce que la piste était goudronnée? Je lui ai dit, non, c'était une piste. Bon.
Et comme on était dans un café, il n'y avait pas d'eau courante, il m'a amené de l'eau. De l'eau comme ça, il n'y avait pas d'eau. Il m'a dit, vous êtes en train de boire de l'eau? J'ai dit oui. Il m'a dit que c'était de l'eau d'infini. On n'a pas d'eau courante. Ensuite, Kimmel, il m'a dit, on n'a pas d'électricité dans le village. Et c'était vrai, on était dans un café le soir, c'était à la lampe qu'on a continué de nuit. Et puis là, c'était une chose dramatique. Quand il m'a dit, vous nous avez fait un emploi en bas, un transport pour, soi-disant, pour descendre là-bas. Mais il m'a dit, on a des femmes enceintes ici, qui pour accoucher, on n'a pas de centre médical, mais pire que ça, pour transporter les femmes dans la douleur pour aller accoucher, et on a connu deux femmes au moins qui sont mortes sur le trajet, parce qu'on n'a pas mis en place les moyens nécessaires. Et c'est là où il m'a fait une leçon de planification, que laissez-moi induire. Mais c'est pas comme ça qu'on travaille. Le Gwanar Shawaran, si vous nous avez consulté, si on n'aurait pas commencé par les génomes, au moins on aurait commencé par ce qu'on appelle des services sociaux de base en économie, c'est-à-dire nous amener des conditions minimum pour descendre ensuite travailler en bas. Voilà, donc, et pour en arriver à l'essentiel, ça, pour développer un pays d'une manière générale, l'Algérie ou un autre pays, on dit tout le temps au gouvernement, on ne peut pas développer un pays à partir d'en haut. On développe un pays de bas vers le haut. C'est-à-dire, on commence, il y a une terminologie maintenant onusienne qui est appliquée à tous les pays, c'est ce qu'on appelle l'approche territoriale du développement. On commence à développer un pays à partir du territoire. Le territoire de la région de Tizi Ouzou, le territoire de Msila, le territoire des Hauts Plateaux, à partir d'un territoire, le territoire de la bordure maritime, c'est des territoires cohérents, c'est-à-dire la montagne, le désert, les Hauts Plateaux, la bordure maritime. À partir de ces territoires, on commence à évaluer les besoins de manière inclusive. Ce n'est pas nous, on est des experts, on sait tout. Pas du tout. Il faut aller voir les gens du territoire et consulter. Quand on dit les gens du territoire, il y a l'université, il y a le mouvement associatif, il y a les syndicats, il y a les autorités locales. Donc avoir un inventaire complet des besoins et des priorités. C'est à partir de ce moment-là qu'on commence à établir un programme local, de développement local, qui s'articule sur des besoins essentiels et prioritaires. Mais pas d'en haut. Je me rappelle, M. Louali, j'étais directeur général de la planification au ministère de l'Industrie. Et au premier, ça me montait dans la tête. Je pouvais planifier, dire par exemple, on va construire une usine de chaussures à Terre-Ontario, une usine de textile à Terre-Ontario. On avait l'impression, bien sûr, qu'on était les maîtres du monde. On savait tout. Voilà, ainsi, je vous racontais les erreurs tragiques qu'on a commises. On a fait une tannerie à Jeffa, parce qu'on a dit qu'il y avait des chameaux, il y avait encore des paniers de cuir, il n'y avait pas d'eau. On a mis en place, du côté des Aurès, un moulin, une minoterie sur la montagne. Pour amener le blé là-bas et ramener la farine et la seconde de la bravadée, ça coûtait 40, 50, 70, 80% plus cher. Donc on a localisé des investissements dans des endroits où il ne fallait pas. On a mis en place des industries qui ne répondaient pas à des besoins locaux, à des priorités locales. Tout cette approche territoriale du développement dont je suis un artisan, je dois dire, au sein des Nations Unies. J'ouvre une petite parenthèse. Nous avons monté à partir des Nations Unies, à partir de ce concept, on a réussi à convaincre un certain nombre de régions du monde, notamment la Californie. Schwarzenegger, je m'en suis fait un ami. Il était président de la région de Californie. Je suis allé le voir en tant que Nations Unies. Je lui avais développé un concept. Je lui ai dit, monsieur Schwarzenegger, voilà, on est prêt, soyez notre leader, vous êtes une figure du cinéma, une figure internationale, nous avons une idée aux Nations Unies, un concept. C'est l'approche territoriale, c'est-à-dire essayer, pour régler les problèmes locaux, de développement local, de commencer donc, de développement, de commencer par le local. Le développement de la Californie, c'est fait parce que vous avez le pouvoir de le faire, vous avez le pouvoir de décision. Vous avez le pouvoir financier de le faire. Il faut que le schéma de Californie, pour qu'on puisse le vendre à toutes les régions du monde. On a réussi à convaincre
de 20 régions. Et on a constitué ce qu'on appelle le R20. Tapez sur l'ordinateur, vous allez voir R20, comme le G20, c'est-à-dire les régions, les 20 régions les plus développées de la planète. Celles qui ont commencé le développement à partir du local et qui ont réussi. Donc c'est ce concept que je voudrais mettre en vous développer très rapidement pour la wilaya, qui est valable pour toutes nos wilayas, pour tout notre pays. C'est ce qu'on appelle, d'abord, on ne peut pas développer un Tizi Ouzou, Sila, Oran, etc. Je le répète, à nos ministres actuellement, je les vois constamment dans le cadre des Nations Unies, je leur dis, ce qu'on fait d'autres pays, on va faire l'économie, on ne va pas refaire la roue. Voilà, il faut commencer, à mon avis, par ce qui est essentiel, la décentralisation. On ne peut pas, à partir d'Alger, décider de ce qui va se faire à Oran, à Ndimouchentabrangbest, ou à Ouargab. C'est impossible. Ça ne peut se faire au niveau local. Et comment? C'est-à-dire qu'il faut que le Wali, que les APC, il faut qu'ils aient ce qu'on appelle le pouvoir de décision. Pas seulement le pouvoir de décision, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils aient le mot autonomie, on n'aime pas tellement dans notre pays, parce qu'on a l'impression que on veut créer, alors que l'État doit être consolidé, cette notion d'autonomie fait peur, mais c'est une autonomie technique, c'est-à-dire à la fois administrative, mais surtout financière. Que le Wali n'est pas seulement un pouvoir il faut qu'il ait un pouvoir réel, c'est-à-dire sur les moyens, et un pouvoir réel sur les moyens, bien entendu, et sur l'administratif. Il ne faut pas qu'il demande chaque fois l'autorisation au ministre de l'Intérieur ou la PC constamment Wali au chef de terrain. Il faut que ce qu'on appelle il faut que l'autorité, le pouvoir de décision descende au niveau des besoins, pour faire face aux besoins réel des populations. Et pour ça, pour créer l'autonomie, ce qu'on appelle administrative et financière, c'est le concept même de la décentralisation, il faut absolument une réforme fiscale. On m'a dit qu'il y avait le directeur des impôts ici. C'est extrêmement important que la fiscalité, c'est-à-dire regarder toutes les économies développées dans le monde, l'impôt, il y a un impôt qui est collecté localement et qui est dépensé localement. Il faut absolument que cette réforme aboutisse. Je le défends auprès du ministre des Finances, je dis qu'il faut accélérer ce programme de fiscalité. Et de la réforme des textes et leur simplification pour que les gens ne se perdent pas inutilement dans un certain nombre de papiers de bureaucratie. Cela étant, cette décentralisation ne signifie pas déliquescence, ne signifie pas perdre l'autorité centrale. L'autorité centrale, son rôle est de régulation, bien entendu, mais c'est surtout l'autorité centrale doit conserver ce qu'on appelle les investissements stratégiques, les investissements structurants, c'est-à-dire les grands projets industriels qui touchent plusieurs wilayas, qui touchent plusieurs des grands axes routiers, les investissements dans les secteurs stratégiques, de l'informatique, de l'électronique, du pétrole, de l'énergie, etc. Ça, l'État doit consolider son pouvoir et ses dépenses dans ce domaine. Mais tout ce qui concerne le développement en direction des populations, il ne faut pas avoir peur. Au contraire, c'est la meilleure façon de gagner des populations au soutien, disons, d'une manière générale, à la légitimation de toutes nos institutions. Et c'est extrêmement important dans ce domaine. Cela étant, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Je vais vous donner quelques chiffres pour que vous soyez très à l'aise. Tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que le coût d'investissement dans la montagne, partout où je suis allé, il est en général 30% plus élevé que le coût d'investissement dans la plaine. Il ne faut pas vous étonner. Pour aller construire une maison ou une petite activité à Fort National, à Michelet, à Fort National, à El-Hammam, ça coûte plus cher parce que la pierre, le transport, l'électrification, tout ça, le gaz, tout ce qu'on peut amener là-bas coûte plus cher. La main-d'œuvre, même quelquefois, il est rare pour l'amener là-bas, le devis est plus élevé. Donc, il faut, on parlait de la loi sur la montagne, je vais vous expliquer après comment ça se passe ailleurs dans d'autres pays. Donc, c'est 30% plus cher. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les régions montagneuses, à relief difficile, le revenu par hectare foncier, dans les régions de montagne, parce que l'assiette foncière dans les régions de montagne est très faible. L'espace est grand, mais le foncier est très petit. Donc le revenu par hectare foncier dans la montagne est inférieur de 30% à un hectare foncier dans la plaine.
Alors, comment voulez-vous dans ces conditions, quelqu'un qui calcule, c'est un rébrime, j'ai de l'argent. Et là, qui n'est une activité formationnelle, ma clientèle est dans la plaine. Et là, une usine qui me coûte 30% plus cher, ou même un peu plus dans la montée, alors que je peux la faire dans la plaine. D'où cette tendance, si l'État, et c'est là où, où l'État doit intervenir, si on laisse faire les choses, c'est-à-dire les choix économiques d'une personne, chaque personne essaye, c'est la loi humaine de maximiser son profit, son bénéfice. Et donc la personne aura tendance systématiquement à descendre vers la plaine, parce que c'est là où il peut gagner de l'argent. Si on veut inverser cette tendance, il faudra que l'État intervienne. J'ai demandé est-ce qu'il y avait un texte adopté par l'État dans ce domaine pour favoriser certaines régions, pour qu'elles se repeuplent. Est-ce qu'il y a un texte? On m'a dit qu'il y avait un texte. Et qu'il y a même ce texte prévoyait un fonds, une sorte de fonds de soutien des régions de montagne. Je ne sais pas si ce texte existe. Mais même si ce texte existait, il me semble qu'il est extrêmement important de le réactiver et de l'actualiser. Un texte ancien peut-être, et à la lumière des expériences ailleurs, par ailleurs dans le monde, on peut l'enrichir et on peut lui donner une consistance à la fois de décision et en même temps financière, pour permettre justement à la montagne de revivre. Maintenant, les potentialités sont presque communes à toutes les régions montagneuses du monde. Qu'est-ce qu'on trouve dans la montagne? Et quand je vais vous parler de ça, c'est exactement ce qu'on trouve dans d'autres régions du monde. C'est quoi dans la montagne? La montagne, d'abord, c'est tous les pays montagneux cherchent à préserver l'environnement. Tous ceux qui ont la forêt, c'est d'essayer ce qu'on appelle d'entretenir la forêt. Il y a des milliers d'emplois dans la forêt. Si on arrive à entretenir la forêt, c'est-à-dire enlever des branches mortes, à essayer de créer des chemins. Il y a énormément d'activités dans la forêt pour maintenir la forêt et surtout les ordures. Quand je visite la forêt d'Yakoré, le nombre de bouteilles plastiques qu'il y a là-bas, c'est inimaginable. La ferraille qui est jetée partout. La forêt, donc, il y a déjà l'environnement, la protection de l'environnement, dans les montagnes, c'est essentiel. Parce que la forêt, qui dit forêt, dit randonnée, dit tourisme. Et si on veut réellement faire une potentialité touristique, il s'agit d'avoir une forêt propre. Il s'agit d'avoir une forêt entretenue avec des chemins de randonnée, avec des chemins pour les chevaux, pour l'équitation. Il faut avoir des auberges pour retenir les touristes dans leur randonnée à l'intérieur de la forêt. La montagne, ce n'est pas seulement la forêt, ce n'est pas seulement l'environnement et donc le tourisme. La montagne aussi, c'est l'arboriculture, c'est la figue chez nous, c'est l'olive, c'est la cerise, c'est tous ces arbres fruitiers. C'est pas seulement les arbres fruitiers, il y a aussi les arbres industriels, c'est le liège. Moi je me souviens quand je contrôlais les industries manufacturières, le liège pour eux est essentiel. On avait une société nationale du liège, je ne sais plus maintenant si elle existe, mais il y avait un entretien de toutes les chaînes liège, de façon à ce que tous les 10 ans, dans l'entretien, il y avait une rotation décennale et chaque année on faisait la rencontre dans les côtes des Liège. On était après le Portugal, on était à un moment donné, on rivalisait en termes d'exportation de liège et de couchons de liège. Au jour d'aujourd'hui, on n'en est pas là parce que la forêt n'est pas entretenue. Toujours en termes de forêt, c'est l'élevage. L'élevage de montagne, c'est le lait, c'est le fromage. C'est l'agriculture tout à fait adaptée à la montagne. Et tout ça, c'est partagé par toutes les économies de montagne. L'artisanat, chez nous, le tissage du tapis, la poterie. Si elle était potière, le tissage, toutes les femmes kabyles tissaient le tapis. Aujourd'hui, c'est devenu un folklore, il n'y a qu'une région qui tisse le tapis. Mais à l'époque, on mettait à disposition des métiers à tisser pour toutes les familles. Maintenant, je vais vous raconter, M. Douali, quelque chose d'extrêmement important. Le gouvernement à l'époque, j'étais directeur général à l'industrie, m'a envoyé pour visiter les Alpes, de voir comment les Alpes françaises, comment les paysans dans les Alpes arrivaient à faire leur revenu. J'avais sillonné les Alpes et j'avais sillonné le Jura. Qu'est-ce que j'ai trouvé? Une de mes grandes découvertes que j'avais partagées, j'ai encore trouvé le rapport de mission que j'avais fait à l'époque. La mission, c'était cela. Je me rappelle très très bien, quand j'avais restitué ma mission, j'ai trouvé que
Le pays, pour augmenter les revenus des populations de montagne, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils ont doté les paysans de machines, ce qu'on appelle les machines à décolleter. C'est des machines mécaniques de précision, très faciles à fonctionner. Et pendant les hivers, où il y a la neige, etc., les paysans avaient une machine où ils faisaient des rondelles, des clous, ils faisaient des pièces pour l'horlogerie, etc., etc. Ils faisaient de la sous-traitance dans des petits métiers qu'on mettait à disposition des populations. C'est juste pour vous dire qu'on peut redonner vie, redonner de l'activité à la montagne et donner de l'intérêt aux gens qui y habitent. Voilà, j'ai presque terminé un tour d'horizon. J'aurais bien aimé répondre à toutes vos questions, mais en tout cas, je reste à disposition. Merci. ادنا نو كان دنيني باللي الوالي الجديد تيزي وزو نا الولايه تيزي وزو مس ابراهيم مراد اي في كل سام زواروت اي دي ملال ذي وستمليث ام ساكيني ذو غراو اغرفا ان الولايه تيزي وزو بالقسم محمد سعيد سك تيزي وزو.